Bonjour, bonsoir avec tout abonné Bladi InfoSport. Nous comptons pour nous rejoindre avec vous dans moment ça, côté nous pour porter un match Brésil-Argentine, comme nous avons déjà annoncé match football ça pour fanatique Bladi InfoSport. L'est déjà arrivé, nous avons déjà dit depuis le fait l'est ça, c'est brancher Bladi InfoSport pour pas rater match football ça. Formation officielle des équipes déjà tombée. Bladi InfoSport bral passé et formation officielle des équipes ça yo pour fanatique Bladi InfoSport. Même équipe d'abton formation officielle là, eh bien nous bral potel pour fanatique Bladi InfoSport. En entrée directement là dans formation officielle sélection Brésil là, puisque nous connaissons c'est les mêmes qui recevoir l'équipe argentine dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde. Nous connaissons qui va le faire dans le pays Qatar 2022. Sixième journée, l'équipe va le dérouler là. Son match en retard qui pouvait jouer depuis le mois de mars qui s'est passé là à cause des pandémies qui tapent en pile problème et qui fait match football ça pas capable de jouer dans les poules d'Ajuelas. En entrée dans formation officielle des équipes ça yo Brésil là qui campait en 4-4-2, c'est comme ça cité campé équipe Brésil là en 4-4-2 ça ou bralouer qui est qui présent pour équipe Brésil là gagne Reverton qui en bas goal là pour équipe Brésil là si n'a passé ouais. Dans la défense, nous sommes capables de porter au bout Danilo et Lucas Verissimo et de Militao Alexandre. C'est comme ça, la défense Brésil a lui-même campé pour aujourd'hui face à l'équipe Argentine. Quatre personnes qui n'ont mis de terrain pour l'équipe Brésil, les balotes qui Casemiro, Gerson, Paqueta et puis Everton Ribeiro, nous connaissons. Et qui t'a marqué goal victoire devant l'équipe Chili. Fanatique Bladi InfoSport, gagnons deux mouns qui campaient dans l'attaque pour sélection Brésil là. Il parle que Gabriel Barbosa, Neymar Junior. C'est deux mouns qui ont attaqué pour sélection Brésil. Kounia, fanatique et fanatique brésilien. Et formation ça, tu t'es porté pour nous. Si c'est pas lui-même nous t'abtonne, eh bien, c'était lui-même, lui déjà, pour tes formations, ça, vous, ne doit pas remettre en passé, ouais. Comment Lionel Scaloni, campé équipe Argentine, qui est qui présent, en a passé ça pour fanatique, Bladi InfoSport, bien rapide. Gagné Martinez, qui 4-4-2, disons, et c'est 4-4-2, équipe Argentine, lui-même, lui campé, gagné Martinez, et qui en bas goal là en a passé dans bonne défense pour équipe Argentine. Dans bonne défense là on a besoin Acuña qui est vraiment présent, gagné Otamendi, Romero et puis Montiel. C'est Mounsayo qui présent pour équipe Argentine dans en défense là. En passé ouais dans milieu terrain, Lo Celso, De Paul, Paredes, Di Maria. Gon des attaquants, les paroles que Lautaro Martinez et puis Lionel Messi. Fanatique Bladi InfoSport, nous tenons des formations officielles équipe Argentine, nous tenons des formations officielles équipe Brésil. Pour des formations ça, nous portons pour vous là, d'après ou même qui est-ce qui gagne un plus bon élément. Malgré nous connaissons, football là lui-même, il pas parlé dans la bouche, mais moi je crois que ou capable. Et pour l'équipe qui favorise, soit Argentine ou bien Brésil, il y a là-dedans qui favorise, ou bien son 50-50. Qui ça nous pense de match football ça qui va jouer dans l'éliminatoire ça? Bladi InfoSport, déjà dit, c'est 50-50. Pas oublier, quittez propre opinion par dans un commentaire. Soit à peine découvrir le channel ça qui c'est Bladi InfoSport. Eh bien, n'abdiou, c'est abonner, activer cloche notification, quitte ton like, quitte ton commentaire. Pas oublier, nous-mêmes, nous là, pour nous informer où ça a fait actualité dans le monde football. Information, analyse, formation officielle, match football. C'est nous qui faisons comme ça. Si vous avez un monde qui fait,
ou capable dit bladi après ou même gagne l'autre après ou même gagne pas l'autre. OK zami mio n'a croisé dans quelques secondes pour match football Brésil Argentine.